Salut les amis, bienvenue sur la chaîne de la team Yu-Gi-Oh! Donc aujourd'hui, je vous fais une nouvelle vidéo où je vais vous présenter une petite boîte qui contient donc trois boosters, donc les fantômes du passé. Donc il est sorti il y a peu de temps, je crois qu'il est sorti le 15 avril. Donc ça fait déjà quelques jours. Donc là, je vous présente à l'arrière de la boîte ce qui est un peu écrit. Donc là, ils disent que. Là, je vous montre la vidéo à peu près pour que vous voyez. Donc chaque boîte contient 3 packs de 5 cartes fantômes du passé pour un total de 15 cartes. Donc je vous ouvre la boîte et j'arrive d'ici quelques secondes. Alors, donc pour le premier booster. Hop. Donc je vais vous présenter donc les 5 premières cartes. Alors, donc la première carte, c'est Épée du Brouillard. Bon, elle est pas mal. Ensuite, nous avons Oise Argent. Elle est pas mal aussi, hein. Ensuite, Danger Oiseau Tonnerre. Ensuite, Téléporteur d'urgence. Petite carte magie sympa. Et la dernière, Dragon Armé LV10. Hop, je vous la montre. Dites-moi si vous la voyez bien. Donc ça, c'est les 5 premières cartes. Ensuite. Alors, donc les 5 prochaines cartes du deuxième booster. Donc là, nous avons Animal Féerique Roca. Ensuite, là, nous avons donc carte magie, enrôlement Dragunité, pardon. Ouais, ils sont pas mal, hein. Sceau Hiérarchique de la Convocation. Donc là, on peut ajouter un monstre hiérarchique depuis votre deck à votre main. Oh. Dragon, épée, Sifère aux yeux galactiques. Très joli. Et la dernière. Red Raptor. Pour le dernier booster qu'il y avait dans la boîte. Donc là nous avons Ombre Solaire Graine. Petite carte plante sympa. Oh! Sœurtelette fraîche Magil Dolch. Oh, je vous la montre. Très jolie celle-ci. Celle-ci aussi est pas mal. Hop, je vous la mets à la lumière. Seiya Ryu. Bon, attaque 2005, défense 2003. Ensuite, une carte piège. Épée du brouillard des chevaliers fantômes. Et enfin la dernière carte du booster dragon étoile filante. Bon, elles sont vraiment pas mal, hein. Donc voilà, je vous ai présenté donc les 15 cartes des 3 boosters qui étaient inclus dans la boîte Fantômes du passé. Bah écoutez, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, partagez la vidéo, abonnez-vous et je vous dis à une prochaine.